vidéos sont de super qualité, tes montages aussi. J'ai bien aimé. Tu fais des EP qui sont franchement super bien. Akori Gang Gang. 2014, appareil dentaire est né plein de morve. Je me suis lancé sur la plateforme, je me suis pas lancé en pleine forme. Boule à la gorge, timidité, je suis venu sur YouTube pour tout affronter. C'était énorme, je m'en rappelle encore quand j'ai eu mon premier abonné. 2015, et mes premiers succès. Si t'es abonné depuis Minemios, toi-même tu sais. Un jeune enfant qui était content de faire des tours de manège virtuellement. Et après 6 ans, je suis toujours le même. Mais avec la peubar maintenant. 2016, fracture de la malléole. Lady Bird et Fallen Kingdom. Toonfu et mon partenariat avec Freedom. J'ai fait le plein de rencontres. Créo, Anaïs, Cériac et j'en passe. Aujourd'hui on est toujours ensemble. Mes acolytes, je vous embrasse. 2017, je te le cache pas, j'avais la grosse tête. Un gros porte-monnaie et le burn-out me guette. J'ai fait plein de breaks, j'ai tout foutu en l'air pour une fille. Et oui, je regrette aujourd'hui, mais je compte encore sur la M Company. 2018, je me suis mis sérieusement à la musique. Beaucoup de critiques, mais j'ai persisté, je continuerai tant que ça m'excite. J'ai diversifié mon contenu, je me suis retrouvé comme un con nu. La communauté s'est divisée, et là je me sentais nul. 2019, pas grand chose de neuf. Et puis en 2020, Euro Truck intervient. 2021, ma vie change de même pour mon destin. Sans te faire un dessin, YouTube restera sur mon chemin. C'est pour Attilis, Dracolitz, Toonfu, Lady, Titu, BX, Cériac, Créo, La Fourchette, Tiamo, Lightit, Kefko, Anaïs et les Apos. Yeah. Vous avez forgé M-Colo. Salut le beau gosse. Je me disais, putain, mais en fait, ça fait extrêmement longtemps qu'on se connaît. Je crois que ça fait depuis 2016. Ça commence à faire beaucoup. Je me rappelle, en fait, je recherchais une structure en fait pour monétiser mes vidéos et j'ai trouvé Actilis. Et genre, waouh, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, vas-y, on a papoté et tout ça. Puis c'est passé crème. Et en tout cas, grave fou. Genre, best rencontre ever. Mon frérot, je t'ai connu, tu le sais, grâce à un super site d'hébergement de serveur Minecraft, hashtag tu m'héberges. Et bah voilà, c'est comme ça qu'on s'est connu, hein. On s'est envoyé un petit MP pour discuter, et puis bah après, écoute, on a fait 2-3 vidéos ensemble, t'en souviens quand on a des Bedwars et tout ça, c'était vraiment bien. Donc voilà mon lapin. Je t'ai découvert un soir, en pleine installation du jeu DS, mon père m'a dit, regarde sur... sur YouTube, tape un truc simulateur 2. Donc j'ai trouvé ton contenu pour la première fois à ce moment-là. En fait, un jour, c'était là, je cherchais une vidéo sur Euro Truck. J'aime énormément ce jeu. Je vois ta chaîne et tout. Je regarde une vidéo de toi. Tes vidéos sont de super qualité, tes montages aussi. J'ai bien aimé. Et du coup, bah, je me suis abonné et tout. Et depuis, bah, maintenant, je fais que te suivre. Moi, ça fait depuis 5 ans, je pense, que je te connais à peu près. Je t'ai connu quand c'était encore Madventure, il me semble. À cette époque-là, je regardais beaucoup déjà de vidéos Minecraft. Et c'est comme ça que je t'ai connu. D'ailleurs, tes vidéos, elles sont vraiment trop bien, mec. Je t'adore. Bah, moi, pour ma part, M-Colo, je t'ai connu quand tu as fait ta première vidéo au TS2. Hein. Mais vraiment ta première vidéo, que t'avais pas encore le tour volant, etc. Et maintenant, je te suis depuis à l'heure actuelle. Super content ce que t'as fait, ce que tu fais. Félicitations, et ben voilà, c'était tout simplement pour dire que continue comme ça, ne lâche jamais, gros. Jamais. Je te connais pas depuis 2013, et j'ai regardé des vidéos de toi et tout, et voilà, et je t'aime bien, et voilà. Salut, je t'ai connu via tes vidéos YouTube, notamment sur Rotruck Simulator 2, et c'était début 2020, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai commencé à te suivre en 2016, donc ça fait 5 ans, et à l'époque j'avais 9 ans, aujourd'hui j'en ai 14 et j'ai commencé à te connaître et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde grâce à la vidéo Minemios et après j'ai commencé à suivre ta série Le Monde des Abonnés et c'est vraiment là que j'ai commencé à regarder toutes tes vidéos. J'ai vraiment aimé ce que tu faisais à l'époque quand tu faisais du Minecraft. Bon là c'est un peu dommage, tu fais plus de l'Euro Truck, mais bon je comprends, même moi je me suis lassé personnellement de Minecraft. Après je resterai toujours quand même abonné à toi car t'étais mon premier youtubeur
Twitter qui vraiment suivait toutes tes vidéos. Et aussi, même si tu fais plus trop de Minecraft, tu fais des EP qui sont franchement super bien. Salut Mkolo, alors moi je t'ai connu sur Mimios, donc c'était je crois en 2014-2015. Et puis après, j'ai commencé à regarder des vidéos, donc c'était The Wall, le monde des abonnés, etc. Et j'ai commencé à accrocher sur ta chaîne, et puis là je te suis encore depuis des années, hein. Et puis ça fait plaisir. Coucou, alors ça fait pas très très longtemps qu'on se connaît, mais je t'apprécie vraiment énormément. On s'est rencontrés par hasard grâce à Firestorm, et du coup, te voir en vrai, ça fait super plaisir. Moi je t'ai connu, je sais pas, j'avais acheté le jeu ETS2. Je voulais voir s'il y avait des gens en live avec Trucker Sympé et tout. Et je t'ai vu. Depuis ce jour-là, je te connais. Je suis tes vidéos, EP et tout ça. Et quand tu es comme ça, t'auras un bon. Tu seras un bon youtubeur quoi. Allez, tu l'es déjà. Allez, au revoir. Coucou, donc personnellement, je l'ai découvert grâce à la vidéo de Magnemios. J'ai voulu du coup regarder une vidéo de Parc d'Attraction et je suis tombée sur ta vidéo. Et depuis ce jour, je te suis. Je me présente, je m'appelle Zaro, j'ai 14 ans. Et puis en gros, je te suis depuis. C'était le monde des abonnés. C'est la première série où je t'ai rencontré. Et puis franchement, j'ai kiffé. Hein. C'était magnifique. Donc bonne continuation à toi.